toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un peu particulière parce que voilà, je suis allé récupérer un colis que j'ai reçu de Sonia pour justement l'échange dans son groupe des ATC. Désolé par avance si je trouve pas mes mots, c'est parce que voilà, je suis assez chamboulé, assez ému. J'ai versé ma petite larme. Et oui, Peggy aussi, elle a ses faiblesses. Hein. Voilà, échange d'ATC, je pensais au pire à une grosse enveloppe. Et quand la dame m'a donné, comme vous voyez, ce carton, voilà, bah, c'est un colis complet. Je viens d'ouvrir et franchement, ça méritait que je partage avec vous parce que j'ai été pourri gâté. Donc, déjà par avance, Sonia, je t'ai mis un vocal. C'est un message, je te remercierai jamais assez parce que c'est juste énorme. Donc, si au cas où je leur dis pas, je te remercie encore une fois. Il faudra un mot qui soit plus fort que remercier. Je vais peut-être essayer de réfléchir et me faire marcher mes neurones pour en trouver un. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Alors, je vais enlever déjà. Devant. Alors, sa petite carte. J'espère que j'y fais honneur. Elle est juste magnifique. Avec fond patouille et tout, tamponnage de fond, les petits fanions fait maison. Tout est fait maison. Sur un carton de récup, et ça, elle sait que je kiffe. Avec un super joli mot. Et à la fin, elle me met PS, j'adore le mot petit. Parce qu'elle me met avec. J'espère que ce d'envoi te fera plaisir avec des petits plus. Vous allez voir, les petits plus, c'est plus des petits, hein. C'est juste énorme. Donc voici déjà la carte. Donc on va commencer par les ATC parce que bah, c'est le but, hein, de l'échange, c'était ça, hein. Donc c'était tenu par un petit ruban d'organza blanc que je vais garder. Ça, c'est une pochette où elle a mis ses ATC. Voilà. On ouvre comme ça et dedans il y a ses ATC. Alors je marquerai derrière, Sonia, si tu me permets, parce que tu avais, c'est pas marqué, voilà, je vais marquer comme quoi c'est toi, parce que moi je m'en souviens. Donc fond patouille, découpe abeille et le sentiment, un petit geste attentionné ensoleille ta journée. Voilà le son fameux, comment dire, animal fétiche et emblématique. Le petit escargot avec donc vivre au rythme des saisons. Voilà, sur un fond jaune. J'adore. Tout est en finesse. Deuxième animal fétiche, l'éléphant. Enfin, je pense que d'ailleurs c'est le premier. Hein. Elle adore les éléphants. Je pense à toi avec donc un fond, des tamponnages qu'elle est venue détourner et colorier. Et puis sur une cartonnette, elle est venue faire un fond patouille avec de la pâte de structure, des tamponnages et de la colorisation. Voilà. Et la dernière, donc pareil, un fond rouge, de la pâte de structure qu'elle est venue colorer et des die-cuts qu'elle est venue mettre en 3D. Être heureux, tout simplement. Voilà. Et tout ceci s'était rangé gentiment dans une pochette qui est magnifique. Alors, je prends le temps, oui, je sais, mais ça mérite. Voilà, et derrière, comme ça. Donc voilà, c'était ça l'échange ATC. Mais elle s'est pas du tout arrêtée là. Elle est venue. Alors, j'avais mis sur un papier parce que ça collait dans le plastique. Elle est venue me mettre deux moulages dans un plastique. Donc un cœur. Ça peut-être, voilà, et bah décidément, hop, voilà celui-ci et une clé avec une couronne. On peut dire que Sonia c'est la reine de la générosité, donc la clé va très bien, donc juste magnifique. Je sais plus par où une découpe avec plein de trous. Une petite
petite enveloppe faite main. Avec des petits stickers. Des stickers feuillage, fruits, d'églantier, pommes de pin. Très, très automnal et j'adore. Voilà. Donc des petits stickers. Je vais remettre dans l'enveloppe. Un embellissement. Merci d'être mon ami. Donc base blanche, fond patouille, donc avec de la pâte de structure qu'elle est venue coloriser en jaune orangé, un papillon noir et son sentiment qu'elle est venue tamponner. Tout ça là, tout le décor derrière, c'est toute la pâte de structure. Une petite carte, donc une petite création qu'elle a fait rien que pour moi, en me disant plein de bisous guérisseurs pour mon dos et elle me souhaite un très bel été. Donc une carte unique. Regardez comme elle est magnifique. Elle sait que j'adore le violet en plus, hein. Donc un sticker. Fond patouille pareil avec de la pâte de structure et cette fois-ci des paillettes. Un joli joli embellissement, joli stickers. Là aussi. Et là c'est une feuille, alors c'est une fleur, pardon. Une fleur papier tissu mise en 3D avec un joli une jolie demi-perle. Vous voyez? Magnifique. Je pense que celle-là, elle va aller dans mon junk. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont aller dans mon junk journal. Des images trop trop belles qui iront aussi, je pense, dans mon junk journal. Mais avant, j'irai faire des photocopies. Peut-être plus comme ça. Sur les papillons. En plus, c'est pile dans les couleurs de mon junk de cet été. Un autre embellissement magnifique. Voilà. Donc base blanche, fond patouille, ton jaune là, c'est pardon de la pâte de structure pareil en nid d'abeille qu'elle est venue coloriser. Des stickers sur le café, elle sait que je kiffe le café. De la tweed, des tamponnages de fond texte avec savourer les petits plaisirs. Alors moi, mon petit plaisir, c'est clair que c'est le café. Ah, c'est sûr. Une pochette avec encore plein de magnifiques choses. Des tamponnages de jeunes filles. Je kiffe celui-là. Je kiffe tout en fait, hein. Et deux comme ça. Sur des papiers en plus de colorier derrière. Pardon. Comme ça. Et là donc plein de tamponnage et de petites étiquettes, stickers, die cut. Donc ce petit bonhomme, j'ai kiffé. Regardez comme il est beau. Un die cut vélo. Une étiquette. Un tag. Un sticker transparent. Des femmes, des images de femmes de l'ancien temps. Là, il y en a deux, je vais vous la montrer. Une image de l'ancien temps avec Montgolfière, donc qui invite au voyage et la tour Eiffel de Paris. Fleur feuillage, lilas. Une image d'une ancienne. Comment ça s'appelle? Je pense affiche. Étiquette. Étiquette aussi. J'espère que vous voyez bien la luminosité. Un grand die cut. Avec du foil. Die cut fleur. Une découpe de plumes. Je vous montrerai les tamponnages après.
des fleurs. Une ancienne aussi image. La dame aux camélias. Ah bah voilà, ça c'est une très belle référence. Une étiquette avec des arabesques. Le muguet et alors je voudrais pas dire et une des fleurs violettes on va dire, mais je voudrais pas dire des mauves peut-être, pas dire des bêtises. Des tamponnages en toute simplicité. Des tamponnages comment ça s'appelle? Code barre marqué FEMA. Il est génial celui-là. J'ai photocopié aussi. Et des tamponnages prendre l'air. C'est pas fini. Il m'a offert un tampon en bois. Je l'ai déjà, mais je m'en fous. Je le garde pour moi, je vous le dis tout de suite. Je le tamponnerai deux fois. Ouais. J'adorais trop, il est super fin au niveau du tampon, du tamponnage, j'adore. Il est juste magnifique. Donc, je l'avais trouvé aussi. Il est juste trop beau. C'est pas fini. Cette planche, enfin ce carnet, pardon, de stickers. Alors, je l'ai acheté aussi à Action. Parce qu'il m'a flashé, je l'adore, il est juste magnifique. J'ai regretté de ne pas en avoir pris un deuxième, mais il n'y en avait plus. Donc, je ne sais pas si elle est devant, ou elle a lu dans mes pensées, et du coup, bah, elle me l'a offert. Donc, je pense que vous le connaissez, hein, c'est principalement sur le voyage, photographie. Donc, il y a des lettres. Comme ça, voilà, tout sur le voyage, des lettres, des mots, vous les connaissez, des washi, appareils photo, et en fait c'est principalement sur là, l'écriture, créativité, les gourmandises, café croissant, café glacé, ça c'est juste magnifique, regardez, c'est juste trop beau, pareil des lettres, donc en doré, en gold, donc vous le connaissez, hein. Vous les connaissez ces planches de stickers hein. Bon, je me suis mise dans le salon parce que ça fait ça risque de faire un peu de bruit et une bougie, l'étiquette est juste géniale, le petit nœud et en fait c'est une bougie au bubble gum mais souvenir quand on était petit, l'étiquette c'est le bubble gum, les bulles sucrées des cours de récré, je vous jure, dommage que vous ayez pas l'odeur. Gaston, s'il te plaît, arrête de faire du bruit. Merci, c'est le chien. Je sens, ça sent trop le bubble gum. Vous savez, le tube, là. Le tube avec le bouchon rose flashy, là, qu'on adorait. Eh ben, ça sent trop ça. Des souvenirs d'enfant. J'adore. Elle est tellement belle que j'ai même pas envie de l'allumer. Mais en fait, dans un autre sens, j'ai envie de l'allumer. Parce que j'adore cette odeur. C'est trop bon. C'est comme les roux doudous, les choses comme ça. J'adore. Il n'y a que la réglisse que j'aime pas, en fait. Mais celui-là, cette odeur-là, voilà. Regardez, juste magnifique. Voilà, pour un échange d'ATC, d'ATC sur notre univers, j'ai reçu tout ça. Oh my god! Avec de magnifiques créations. Et unique en plus, c'est moi qui les ai. Oui, je peux le dire, c'est moi qui les ai d'abord. Là, j'avais mis sur les papiers donc les petits moulages avec le plastique, la cut, sa carte, enfin sa pochette, pardon, donc avec les ATC hein, à la base, c'était ça, le petit ruban qui la fermait et sa carte, c'est une super belle carte. Voilà. Hop, je vous relève un peu tout ce que j'ai reçu de Sonia. C'est juste magnifique. Voilà, donc ça méritait pour moi, à mon sens, de faire une petite vidéo. Sonia, je te remercie énormément. Tu es vraiment une très belle personne, égale à ta générosité. Hein, quand je vous disais la clé avec la couronne, ben voilà, c'est la reine de la générosité. C'est juste magnifique. Tu m'en as fait verser une larme. Oui, Peggy, elle est émotive aussi. Ça lui arrive de temps en temps.
Tout est magnifique, tout est. Ouais, je reste sans mots, quoi. La bougie, elle sent trop bon. Je me shoote avec. Le tampon, bah, je l'adore parce que je l'avais pris. Les stickers, je les adore. J'ai hésité à en prendre un deuxième, il n'y en avait plus. Bah, nickel, t'as lu dans les pensées. Les créations sont juste sublimes. Beaucoup vont intégrer mon junk journal de cet été. C'est mon premier junk. Donc, du coup, c'est parce que je peux repartir une semaine cet été. Donc, bah, ce sera avec grand plaisir que ça va intégrer mon junk. Comme ça, je t'aurai avec moi en vacances et après, bah, je t'aurai un grand souvenir de tout. Et puis, tout y est fin, tout y est dans mes goûts aussi, dans ses goûts aussi. Le fameux café, hein, voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille m'en boire un autre. Tous ces stickers, tous ces tamponnages, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, moi, je m'en rends compte. Hein. Voilà. Ben, écoute, Sonia, je te refais de plein de gros bisous. Je te remercie encore. C'est juste énorme. Et puis, bah, à toutes, je vous fais de gros bisous aussi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, donc sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si je vais le mettre sur la chaîne ou pas. Je pense que oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur Sonia. C'est rare quand je fais des ouvertures de balles. Un peu égoïstement, je garde pour moi. Je devrais, parce que ça montre aussi toutes les créations que. Enfin, les magnifiques créations que je reçois. Mais des fois, j'ai envie de garder pour moi mon petit jardin secret. Mais là, je ne pouvais pas passer à côté de mettre à l'honneur Sonia, donc du groupe sur Facebook, le Scrap Bonheur. Un groupe génial, sans prise de tête, pardon pour le bruit. Et où on fait des défis, où on se fait des échanges. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao, les loulous.